rouler la pierre. Femme, lorsqu'il y a des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un?
grâce à Dieu et je bénis l'homme de Dieu pour l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir transmettre ce message. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'apôtre Cyrus, votre humble serviteur. Alors, si vous m'entendez très bien, j'aimerais que vous puissiez me dire c'est bon, et nous allons lancer sans plus attendre, nous avons assez perdu de temps et le Seigneur fera ce qu'il peut faire. C'est bon? D'accord, ok, je vois ici, c'est bon. D'accord, gloire à Dieu. Alors ce soir, nous allons traiter d'une thématique assez particulière. La thématique, c'est de la vision à l'impact global. Waouh, ce thème est vraiment très percutant. J'aimerais que tu dises à ton voisin, même si tu n'as pas de voisin, que tu lui demandes, est-ce que tu es prêt ce soir? Pose la question à ton voisin. Est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'elle est prête ce soir? Nous allons aller dans des choses assez intéressantes. Hier, le prophète a déjà dit des choses qui étaient extraordinaires. Et ce soir, nous allons dire des choses qui sont encore extraordinaires. J'aimerais que tu dises à ton prochain, est-ce que tu es prêt? My God. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ce soir? My God. D'accord. Donc, nous allons aller premièrement. Avant de commencer, je vais, ou du moins nous allons prier. Il y a une personne que j'aime beaucoup. C'est la troisième personne de la Trinité. Et c'est celui qui nous a été donné afin de nous diriger, afin de nous donner la direction, de nous enseigner et de nous accompagner. Il a plusieurs autres missions. Il est Dieu. Il est notre épouse, il est notre ami, le consolateur et celui qui fait que la puissance de Dieu puisse se manifester dans l'Église. J'aimerais que là où tu es, tu puisses honorer le Saint-Esprit par des acclamations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier et bénir le Dieu qui m'a appelé, qui a appelé le prophète Azaf Moulili et tous les hommes de Dieu qui viendront certainement intervenir lors de ce programme. Saint-Esprit, je te rends toute la majesté. J'aimerais te bénir et te rendre toute la gloire. Nul n'est capable de faire ce que tu fais. Personne ne pourra jamais faire ce que tu fais parce que tu es unique en ton genre. C'est pourquoi, Saint-Esprit, j'aimerais simplement te remettre ces moments. Te remettre ces moments de prière, ces moments d'enseignement. Laisse que ta grâce se manifeste. La Bible dit dans le livre de Daniel, au chapitre 10, je pense que c'est l'ange Gabriel qui va parler à Daniel. Il dit, le temps vient où la connaissance augmentera, alors scelle le livre. Parce que ceux qui le liront en ce temps-là auront alors l'intelligence pour comprendre ce que tu as écrit. Et je pense que Saint-Esprit, c'est le temps de comprendre les mystères. C'est le temps de comprendre ce qui a été longtemps caché et qui maintenant doit être révélé, parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, les choses cachées sont à Dieu, et les choses révélées sont au roi. Les choses cachées sont à Dieu, et c'est au roi de sonder les choses. My God, merci Saint-Esprit pour ta présence. Je te rends la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. Bien, nous allons rapidement dans le livre de Genèse. Chapitre 3. Est-ce qu'on peut aller rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Comment? Genèse, chapitre 3. Je vais aller aussi moi-même dans la Bible. Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Excusez-moi, c'est Genèse chapitre 2. C'est plutôt Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2, 18. Genèse
Je lis à À partir du verset 16. Commençons à partir du verset 16. OK. Genèse 2. Verset 16. Si possible, commençons à partir du verset 16. Genèse 2, à partir du verset 16. Genèse 2, verset 16. La Bible dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Verset 18. « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un deuxième passage. J'aimerais que l'on aille rapidement dans le livre de Juges, chapitre 16. Juges, chapitre 16. À partir du verset 26. Juges 16, à partir du verset 26. La Bible dit, « Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la main, la maison, et m'appuyer contre elle. » Je reprends. « Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » Amen. Amen. Alors, ce soir, notre thème, c'est de la vision à l'impact global. Alors, je vais prendre ça vraiment de manière très particulière, parce que j'aimerais déjà pouvoir faire la distinction entre la vision globale et l'impact global et la vision personnelle pour déboucher sur l'impact global. Alors déjà, my God. Bien. OK. Donc, dans le livre de Genèse chapitre 1, vous allez vous rendre compte que dans notre contexte, lorsque Dieu crée Adam et Ève, il crée Adam et Ève avec une vision. Et quelque part dans le livre de Genèse chapitre 1, Dieu va dire à Adam et Ève, parce qu'à ce moment, en esprit, ils étaient encore un. Alors Dieu va dire à Adam, ce que je vous demande, c'est de dominer, d'être fécond, de remplir la terre. Ça, c'était la vision que Dieu avait prévue pour Adam. Alors, la première fois que Dieu crée l'homme, la première chose qu'il donne à l'homme, c'est la vision. Vous devez savoir une chose. Lorsque vous venez sur terre, la deuxième épouse de l'homme, c'est sa vision. J'aimerais que vous puissiez comprendre que la deuxième épouse de l'homme, c'est sa vision. Parce que après la femme que Dieu a donnée à Adam, la deuxième épouse d'Adam, c'était sa vision. Parce que à chaque fois que Dieu fait quelque chose, il le fait dans la perspective d'une vision. Et là, je vais donner maintenant les caractéristiques de mon message. Je vais parler de la vision qui est focalisée sur les yeux physiques, de la vision qui est focalisée sur les yeux spirituels et de la vision en tant que volonté de Dieu. Et je vais d'abord commencer par la vision par rapport à la vue, par rapport aux yeux physiques. Comment? Et j'aimerais vous expliquer quelque chose. Lorsque Dieu donne la vision, elle vient sous forme de volonté. Parce que, en fait, la vision que Dieu a pour vous est la volonté de Dieu pour vous. Donc, cette volonté de Dieu pour vous se traduit comme étant la pensée de Dieu pour vous.
Et la pensée de Dieu pour vous étant relâchée par la bouche de Dieu devient la parole de Dieu pour vous. Je ne sais pas si vous me comprenez, je suis en train d'aller quelque part. Avant, on va aller petit à petit pour comprendre de quoi il s'agit. Je disais, lorsque Dieu conçoit quelque chose, la volonté de Dieu, en fait, c'est la vision. La vision que Dieu a, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu ayant été exprimée par la bouche de Dieu, devient la parole de Dieu dans la vie d'une personne. Comment? Et donc, à chaque esprit que Dieu a créé, il y avait une pensée derrière la création de chaque esprit. Et cette pensée ayant été relâchée par la bouche de Dieu, devient la parole de Dieu qui doit s'accomplir dans la vie d'un homme. Cette parole n'est pas influencée par les événements. Cette parole n'est pas influencée par les circonstances. Mais cette parole va forcément se manifester parce qu'elle est l'objet de la pensée de Dieu et de la volonté de Dieu. Alors, en fait, les yeux physiques sont le canal par lequel autant pour moi, Dieu va révéler à l'homme l'objet de sa pensée. Écoutez-moi très bien. Donc, lorsque Dieu crée Adam, il dit à Adam et Ève, alors qu'ils étaient encore un, il leur dit, ce que vous devez faire et ce que je vous commande de faire, c'est d'être fécond, c'est de vous multiplier, c'est de remplir la terre et c'est de dominer. Vous allez vous rendre compte que dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus parle à ses apôtres dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, il dit à ses apôtres, vous allez être mes témoins, mais vous n'allez pas être mes témoins qu'à Jérusalem. Vous allez être mes témoins à Samarie. Vous allez être mes témoins dans les extrémités de la terre. De la terre. Et donc, Dieu était en train de dire, Jésus était en train de dire aux apôtres que dans l'Ancien Testament, j'ai dit à Adam d'être fécond. Mais maintenant, je suis en train de vous dire une chose. Je veux également que vous soyez fécond. Que vous alliez et que vous faites de toutes les nations des disciples. Parce que la vision de Dieu pour l'homme, la vision globale de Dieu pour l'homme, a toujours été que l'homme soit fécond, que l'homme remplisse la terre et que l'homme domine. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses apôtres, je vous envoie à Jérusalem, à Samarie, en Judée et aux extrémités de la terre. Parce que la vision du Père a toujours été une vision conquérante. Ça, c'est la vision globale. Comment? Ça, c'est la vision globale. Mais je ne vais pas m'attarder sur la vision globale aujourd'hui, je vais aller sur la vision personnelle. Alors, lorsque Dieu dit ça à Adam, qui est la vision globale, il dit à Adam, bon, maintenant que je t'ai donné la vision globale, écoute, je vais te donner un élément de la vision qui est très important. Je vais te donner la fonction. Parce qu'en réalité, si tu n'as pas la fonction, tu ne peux pas réaliser ta vision. Je vais choquer quelqu'un en disant quelque chose de très important maintenant. Lorsque Dieu donne à Adam la fonction, il donne en même temps à Adam un avertissement. Il dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits, de tous les arbres, mais celui-là, de la connaissance du bien et du mal. Et ça commence dans une perspective très intéressante. Alors, pendant que le prophète, l'apôtre nous revient rapidement, j'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez partager le live, partager au maximum. Il a sûrement un petit souci avec sa connexion rapidement.
t'interdis de le manger. Ok, c'est bon. C'est bon, est-ce que tout le monde me reçoit? Apôtre. Tout le monde me reçoit? C'est bon. Ok, d'accord. Gloire à Dieu. Alors, j'étais en train de dire qu'en même temps que Dieu donne la vision globale à Adam, il donne la fonction à Adam. Il dit, bon, Adam, écoute, j'ai planté un jardin. Et ce que je veux que tu fasses, c'est que tu cultives ce jardin. Je ne veux pas que tu sois seul, je vais te donner une aide. Je vais te donner ta Ève. Alors, lorsque Adam voit Ève, voici, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os, et nous connaissons la suite. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu va dire à Adam, tu peux manger du fruit de tous les arbres, mais celui de la connaissance du bien et du mal, je te l'interdis. Et là, je vais répondre à la question que beaucoup de gens se posent par rapport au fait de pourquoi est-ce que Dieu avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin devant Adam. Ça sent très bien que Adam pouvait manger de ce fruit. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Dieu avait mis cet arbre. Comment? En fait, la révélation de la vision est gratuite, mais la réalisation de la vision est coûteuse. Je disais, la révélation de la vision est gratuite, mais la réalisation de la vision, elle est payante, elle est coûteuse. Écoutez, il n'y a rien que Dieu fasse sans éprouver la personne qu'il veut élever. Maintenant, je vous explique pourquoi Dieu avait mis cet arbre-là. Parce que, en fait, Dieu voulait éprouver Adam. Lorsque Ésaïe se retrouve devant Dieu, il dit, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Alors l'un des séraphins qui se tenait au-dessus de Dieu va prendre une pierre et va toucher les lèvres d'Ésaïe et va dire à Ésaïe, ton péché a été enlevé, dont la propitiation pour ton péché a été faite. Et je me disais une chose, Dieu n'envoie pas un homme sans l'avoir sanctifié. Et pour revenir à ce que je disais, il est impossible que Dieu commence une œuvre avec un homme sans l'éprouver. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit un robot. Dieu a créé l'homme à son image. Et l'une des caractéristiques de Dieu, c'est que Dieu a la capacité du libre arbitre. Et donc, et Dieu a choisi de placer cet arbre dans le jardin parce qu'il fallait qu'il éprouve Adam. Il fallait que Adam soit capable de démontrer à Dieu qu'il est capable de régner sur la terre et sur le jardin. Ok. Et donc, Dieu a placé cet arbre-là expressément. Il a donné un commandement à Adam. Il a dit à Adam, si tu veux régner, tu veux être maître de la terre, mange de tous les fruits, mais celui-là ne touche pas. Écoutez, pourquoi je dis que la vision, la révélation de la vision est gratuite, mais la réalisation de la vision est payante? C'est tout simplement parce que Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir, je vais faire de toi le père d'une multitude. Il fait la promesse à Abraham de la vision à venir. Mais lorsque le fils de la promesse arrive, il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Comment? Avance. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Tout simplement parce que Dieu ne peut jamais accomplir sa promesse dans la vie d'un homme si cet homme n'a pas prouvé au préalable qu'il est capable d'honorer Dieu dans la promesse. My God. Et donc, la vision de Dieu ne peut pas se réaliser dans ta vie tant que tu n'as pas passé le test de l'épreuve. Oh my Adam n'était pas le plan A de Dieu.
Adam était le plan B de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Adam n'était pas le plan A de Dieu. Adam était le plan B de Dieu. C'est-à-dire, Dieu savait que je vais mettre l'arbre là et je vais voir la réaction d'Adam. Si Adam mange de ce fruit, ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour écoper la vision sur ses épaules. Mmh. Alors, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il y a un agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Comment? Amen. Comment? Lorsque Dieu donne la vision, pour que la vision se réalise, il faut poser un acte qui prouve à Dieu que Dieu a raison de te donner cette vision et que cette vision a le droit de se manifester par toi. Abraham a eu à prouver qu'il était digne de cette vision parce qu'il avait réussi le test du sacrifice. Donc, tu ne peux pas, premièrement, la vision de Dieu dans ta vie ne peut pas se réaliser si tu n'as pas passé le test du sacrifice. Comment? Je vais dire une autre chose. Avant même d'aller là-bas, est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire le diable est un menteur? Mets en commentaire le diable et sa belle-mère sont des menteurs et des menteuses. My God, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un 100% éprouver cette personne. J'ai aimé cette parole, ça c'est fort. Avant que Dieu ne t'envoie, il doit t'éprouver. Pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin? Parce que Dieu éprouve. Oh my God! Ça, c'est fort. My God! L'homme de Dieu a juste des petits soucis avec sa connexion. Il a été éjecté. Je crois qu'il va revenir d'ici quelques minutes. Come on! Si tu n'as pas encore partagé ça à quelqu'un, envoie le live à quelqu'un. Dis à quelqu'un ici, c'est fort. Prends le lien, il n'y a pas de code. Prends le lien, envoie à une personne. Dis-lui que c'est fort. Il faudrait qu'elle vienne écouter ça. Dis à la personne que toutes les épreuves par lesquelles tu passes là, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui t'équipe et qui t'éprouve par rapport à ton élévation. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que l'apôtre est en train de dire ici. Il a dit des choses fortes. Il a dit des choses compliquées. My God. My God. Dis à quelqu'un, invite quelqu'un sur WhatsApp. Prends le lien, va sur WhatsApp. Là, ce n'est plus le temps de faire TikTok. Prends aussi le lien, mets sur le statut. Ne mets pas que TikTok. Mets le statut, le statut aussi et invite quelqu'un. Dis à quelqu'un, ici, c'est compliqué. Viens écouter les mystères. On a toujours cru que Adam était le premier plan de Dieu. On écoute qu'Adam, c'est le plan B de Dieu. My God. L'apôtre, là, il vient soulever les problèmes comme ça. Adam, c'est le plan B de Dieu. Adam, c'était le plan B de Dieu. Comment ça, Seigneur? Toi qui fais toutes choses bonnes, qui connais la fin d'une chose avant son début. Mais ce soir, ton homme me dit, Adam, c'était le plan B de Dieu. C'était ton plan B. Alors, quel était le plan originel de Dieu? Quel était le plan A de Dieu? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi ne pas d'abord commencer par le plan A, mais il commence par le plan B? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, donne-moi la main. Pendant que nous chantons rapidement l'homme de Dieu, il ne va pas tarder à revenir. Donne-moi un amen fort. Et vraiment, ma prière, c'est que ce live puisse être partagé au maximum. Ma prière, c'est que nous puissions partager au maximum. On devait même être à 100, à 150, à 200 ici. Et je profite de l'occasion pour annoncer aux personnes, prends ça à ta charge.
demain, invite deux personnes. Après-demain, bats-toi à inviter deux, trois, quatre personnes. Si possible. OK. Merci, apôtre. Et vraiment, excusez-moi, je ne sais pas quel problème il y a avec la connexion, mais le diable est un menteur. Nous allons continuer. Amen. Bien. Alors, vous devez déjà, d'après ce que j'ai dit, savoir que la révélation de la vision, elle est gratuite. Dieu se révèle à Abraham. Dieu parle à Adam. Il donne la vision, elle est gratuite. Mais pour la réalisation de la vision, elle est payante. Elle est coûteuse. Il n'y a aucune vision que vous soyez capable de réaliser tant que Dieu ne vous a pas éprouvé. Mm. Dieu n'envoie pas quelqu'un qui n'a pas sanctifié. Mm. Impossible. Retenez cela. Comment? Alors, il y a la vision qui est liée à la vue. La vue physique. La vue spirituelle. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque Dieu conçoit la vision par rapport à un homme qu'il a créé, il y a un canal que Dieu utilise pour transmettre la vision. Alors, lorsque Adam a péché, il a corrompu ce canal, ce qui fait que Dieu ne peut pas souvent directement aller comme ça, annoncer la vision à l'homme. Alors, généralement, Dieu travaille avec ce qu'on appelle les yeux humains. Les yeux humains. Et à travers ces yeux humains, Dieu communique sa pensée à travers les yeux spirituels. Mmh. Je m'explique. Lorsque Dieu transmet sa pensée, l'homme est capable, que ce soit dans un songe, que ce soit dans une vision, de percevoir la pensée de Dieu. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que le diable n'aime pas les yeux. Mmh. Le diable n'aime pas les yeux. Que ce soit les yeux physiques, que ce soit les yeux spirituels, le diable n'aime pas les yeux. Et je vais vous expliquer pourquoi le diable n'aime pas les yeux. Écoutez, à chaque fois que le diable a voulu apporter la déchéance de l'homme, à chaque fois que le diable a voulu éloigner l'homme de sa destinée, à chaque fois que le diable a voulu éloigner l'homme de la vision, il a corrompu les yeux de l'homme. Mm. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, lorsque le serpent va commencer à parler à Ève, la première chose que Ève va faire lorsqu'elle sera séduite, c'est qu'elle va observer le fruit avec ses yeux. Comment? La Bible dit, Ève vit que le fruit était bon à manger. Elle vit que le fruit était bon à manger et qu'il était bon pour ouvrir l'intelligence. Comment? Le diable n'avait pas fait... comment est-ce que je peux dire ça? C'était voulu par le diable d'attaquer cette partie de la femme. Parce que, en fait, de la même manière que la foi vient de ce que l'on entend, la convoitise vient aussi de ce que l'on entend. De la même manière que la foi vient de ce que l'on entend, la convoitise vient aussi de ce que l'on entend. Mais ce qu'on entend, d'accord, ne vient pas. My God. Rajka Atelevla Adam. Et Mazobla Atele Diglahat. My God. Vraiment, ce soir-là, c'est compliqué. Les chopes, les alandebla, atisikla, itelevahide.
Raclunta le blos le gliha. Mezo cleanto zobla ateladita. Rosuple alluscle le maite. Mezo sunde de guza le bla. Saladesclonte le flahadish. Reclato siflente va. Masople aladusque amaite. Zoladia ton zoladia sova. Lenebra iandolo flahadija. Raisle flanamaite. Raisifle anton zucle telebrahad. Mandindo suclen de le flou. Liva haski. Les suclen telebrahadaj. La arrosticle etele. Java. Masople a raiso. Recline te vrazofla. Mais suclen va a te. Tu peux vibrer pendant que le prophète la pose en train de venir. Regla azofla talaman. Il ne faudrait pas que cette histoire te déconcentre ou te distraire. Vibre avec moi en prière pendant quelques secondes. Alors, donc, comme je disais, quand Dieu veut transmettre la vision à quelqu'un, ce que vous devez savoir, c'est que Dieu utilise des canaux. Alors, pourquoi est-ce que le diable n'aime pas les yeux? Tout simplement parce que les yeux sont un canal qui est trop puissant, en fait, lorsque Dieu veut transmettre sa vision. Vous savez, lorsque vous venez à Christ, Dieu a besoin de vous rappeler pourquoi vous êtes sur la terre. Et généralement, il le fait par deux canaux. Soit il le fait par la voix des oreilles, soit il le fait par la voix des yeux. Et j'aimerais vous dire que de la même manière qu'un voyant est capable de tirer le son d'une image, un habit est capable de tirer l'image du son. Suivez-moi très bien. Abraham n'était pas un prophète voyant. Abraham était un prophète auditif. Alors que Dieu doit transmettre la vision à Abraham, la Bible nous dit qu'Abraham se retrouve dans une vision, mais dans la vision, Abraham ne voit pas l'image, il entend la voix de Dieu. Ça veut dire qu'Abraham avait la capacité de tirer l'image dans la de Dieu, de savoir ce que Dieu. My God. My God, le diable est un menteur, mais ça, ce sont les attaques compliquées. C'est un problème de connexion. OK. Apôtre, activez le micro. My God. D'accord. Allons-y. Je vais directement aller au but, puisque Satan veut m'énerver, alors on va se fâcher maintenant. Alors, écoutez.
Pourquoi j'ai tenu à ce qu'on lise dans le livre de Juges par rapport à Samson? Vous savez, Dieu aime passer par la vue pour annoncer ce qu'il va faire. Lorsque Dieu doit parler à Samson, lorsque Samson doit accomplir sa vision, il y a quelque chose que Delilah va faire. Et c'est la même chose que Lucifer a fait dans le jardin d'Éden avec Ève. La première chose que Ève va faire pour être corrompue, c'est que ses yeux vont être atteints. Ses yeux physiques vont être atteints. Et donc, elle va pécher à cause de ses yeux physiques. Et en péchant avec ses yeux physiques, elle va être éloignée de la vision. La même chose va se produire avec Samson. Lorsque Delilah arrive, elle veut connaître le secret de la force de Samson. Samson lui dit, ce sont mes cheveux. Et lorsque Delilah apprend que ce sont les cheveux de Samson, elle fait couper les cheveux de Samson. Elle sait que le secret de la force de Samson, ce sont ses cheveux. Mais la chose qui m'intrigue, c'est que lorsque un homme est puissant et fort, après avoir coupé la source de sa force, on doit couper le moyen par lequel il manifeste sa force. Ça veut dire que normalement, Delilah, en plus de couper les cheveux, elle devait couper les bras, les mains. Mais au lieu de couper les mains de Samson, les Philistins vont percer les yeux de Samson. Les Philistins, au lieu de couper les bras de Samson, par lesquels Samson était capable de démontrer sa force, ils vont percer les yeux de Samson. Pourquoi est-ce que les Philistins ont tant tenu à percer les yeux de Samson au lieu de couper les bras par lesquels Samson manifeste la force? Je vais reposer la question dans un autre modèle. Lorsque le serpent vient tenter le Seigneur Jésus dans le désert, la dernière tentation du serpent par rapport au Fils de Dieu, c'est qu'il lui montre des images. Et il lui dit, est-ce que tu vois, est-ce que tu vois, est-ce que tu vois les royaumes de la terre? Je peux te les donner, je peux te les donner, est-ce que tu vois, est-ce que tu vois, je peux te les donner. Mais le Fils de Dieu avait compris que le diable a un problème avec les yeux. Parce que très souvent, dès que tes yeux sont dans l'obscurité, il est très probable que tu ne puisses pas voir la vision. Parce que le canal par excellence que Dieu utilise pour transmettre la vision, ce sont les yeux. Lorsque Dieu a parlé à Jacob, c'était dans un rêve et c'était par rapport à ses yeux spirituels. Lorsque Jacob voyait les anges monter et descendre sur les chèvres, c'était avec ses yeux spirituels. Alors le diable a un problème avec les yeux, parce que le diable sait que les yeux est le canal par excellence par lequel Dieu passe pour transmettre la vision. Alors il faut que Dieu puisse mettre purité au niveau des yeux. Voilà pourquoi, au lieu que les Philistins coupent les bras de Samson, ils ont coupé les yeux de Samson, parce qu'ils se disaient, si les yeux de Samson sont percés, Samson ne peut plus tuer le grand nombre de Philistins que Dieu a prévu que Samson puisse tuer. Mais ce que les Philistins ne savaient pas, c'est que dans la nouvelle génération, dans la génération des fils de Dieu, Samson était rentré. Et dans la génération des fils de Dieu, les fils de Dieu ne sont pas conduits par les yeux physiques, mais par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Dieu voulait que Samson puisse accomplir la vision qu'il avait prévue pour Samson, donc tuer les Philistins, il a envoyé un guide.
Avant, il a envoyé un guide. Et le guide, c'était le petit garçon. Comment? Avance, apôtre. Ça s'ouvre ici. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. My God, j'aime ces choses. Est-ce que quelqu'un est béni comme moi ici? Est-ce que quelqu'un est béni comme moi ici? My God, si tu es béni, si tu es béni, tape ton commentaire. Que ce soir, je suis béni. Que Dieu te bénisse là où tu es. Prise, que Dieu te bénisse là où tu es. My God. Émeric, que Dieu vous bénisse là où tu es. Que Dieu vous bénisse, Olivia, là où tu es. Que Dieu te bénisse. Bénisse. Que Dieu te bénisse. Grâce Noumou, que Dieu te bénisse. Oh my God. Les yeux. Il y a une connexion étroite entre la vision et les yeux, parce que c'est par les yeux que Dieu montre la vision. Oh my God. Que Dieu bénisse cet homme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse énormément. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu dois apprendre à ne pas donner tes yeux à n'importe quoi. Tu dois apprendre à ne pas mettre tes yeux n'importe où. Parce que tes yeux aussi sont des réceptions, les canaux de réception de la vision. De nos jours, en ce 21e siècle, le monde est pourri. Sur Facebook, les choses qui étaient cachées deviennent publiques. Vraiment, c'est compliqué. Apprends à sanctifier tes yeux. Apprends à sanctifier tes oreilles. Apprends à sanctifier les canaux par lesquels, ou les canaux, autant pour moi, par lesquels Dieu peut passer afin de te donner un message par rapport à ta destinée. Et je t'encouragerai à faire comme Job, qui lui a fait un pacte avec ses yeux, de telle en sorte qu'il ne puisse pas poser ses yeux sur une vierge. Une vierge dans l'ancienne alliance était. C'est pas une femme comme tout le monde. Oh my God. C'était une. Je ne sais même pas comment dire ça parce que tellement le ciel est ouvert ici. Il faut sanctifier les canaux par lesquels Dieu te parle. Et je profite pour dire une chose. L'un des secrets qui donne la capacité facilement à capter la voix de Dieu, c'est quand tu canalises. Tes cinq sens. Quand tu canalises tes cinq sens, la vision va te donner la capacité d'être effective. Je reprends encore dans ta vision. Ta vision va te donner la capacité d'être effectif dans ta vision. Permettez-moi de cette tautologie. Ta vision des yeux te donnera la capacité d'être effectif dans ta vision objectinale. Je reprends. On dit ça comme ça, la vision de manière objective. Donc, l'appel de Dieu. Donc, si déjà tu ne vois pas clair, c'est normal que tu vas marcher en t'adonnant. Si tu passes ton temps à regarder nos novellas, tu vois les choses compliquées. C'est normal que quand tu pries, il y a des pensées bizarres qui te viennent. Il faut sanctifier ta vision. À vous la parole, apôtre. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais nous allons aller. Et avec moi, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. D'accord. Donc, je disais, lorsque Samson doit accomplir sa vision, le diable a percé ses yeux. Le diable a percé les yeux de Samson. Mais ce que le diable ne sait pas, c'est que Samson était rentré dans la nouvelle dispensation, dans la dispensation de l'esprit. Et dans la dispensation de l'esprit, on n'a pas besoin des yeux humains. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, « Marchez par l'esprit, et vous ne serez pas conduits, et vous n'accomplirez pas les œuvres
De la chair. De la chair. Samson n'avait plus ses yeux, mais Samson avait un guide. Samson n'avait plus besoin de ses yeux, mais au dernier instant de sa vie, Samson avait besoin d'un guide. Dis avec moi, tu as besoin, j'ai besoin d'un guide. J'ai besoin d'un guide. J'ai besoin d'un guide. Alors, besoin d'un guide. Samson, je ne sais pas comment Samson a fait pour voir le petit garçon. Hein. Je ne sais pas comment le petit garçon a fait pour se retrouver là. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu voulait faire passer un message. C'est que dans la nouvelle dispensation, dans la dispensation de l'esprit, on n'a pas forcément besoin des yeux visibles. Le diable se disait, si je perce les yeux de Samson, alors c'est un peu comme si je paralysais les mains et les pieds de Samson. Parce que normalement, lorsque tes yeux sont fermés, tu ne sais pas où aller et tu ne sais pas quoi faire. Parce que ce sont les yeux qui te permettent de connaître exactement là où tu dois aller. Ce sont les yeux qui te permettent exactement de connaître la direction. Et si tes yeux sont fermés, c'est comme si tes bras et tes pieds étaient paralysés. Parce que de toute façon, si tu avances, tu vas tomber. Parce que tes yeux sont fermés. Tu ne sauras pas voir les embûches qui sont devant toi. Mais dans la dispensation de l'esprit, on n'a pas besoin des yeux physiques, on n'a pas de guide. Lorsque Samson devait matérialiser sa vision, lorsque Dieu devait matérialiser sa vision à travers Samson, c'est-à-dire détruire les Philistins en grand nombre, il s'est dit une chose. Satan a fait une erreur monumentale. Il a percé les yeux de Samson, mais il n'a pas coupé les bras de Samson. Or, la force de Samson se manifeste par les mains de Samson et non pas par les yeux de Samson. J'ai envie de te dire une chose. Souvent, le diable pense qu'en paralysant un certain domaine de ta vie, il a déjà paralysé ta destinée. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu a prévu un guide. Dieu a prévu un guide. Lorsque le diable s'attend à ce que la vision se manifeste par les yeux, la vision va se manifester par les pieds. Lorsque Dieu pense que Dieu va te parler par le milieu évangélique, Dieu va te parler par le prophétique, Dieu va te parler par l'apostolique, Dieu va te parler par le doctoral, alors que Satan s'attendait à ce que Dieu te parle par l'évangélique. Le diable a fait une erreur monumentale. Il pensait que pour détruire la vision de Samson, il fallait lui couper les cheveux et lui percer les yeux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsque les cheveux de Samson devaient repousser et que la force de Samson devait revenir, Samson n'avait pas besoin de ses yeux. La force était dans les mains de Samson. Samson avait besoin d'un guide. C'est pourquoi le petit garçon ici représente le Saint-Esprit. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Dieu peut te révéler la vision. Tu peux avoir la vision. Écoute-moi bien. Mais si tu t'appuies sur les yeux physiques, là, les yeux charnels, tu risques d'être trompé. Parce que la foi ne vient pas seulement de ce que l'on entend. La foi vient aussi de ce que l'on voit. Parce que dans ce que l'on voit, il y a aussi ce que l'on entend. Parce que la voix ne vient pas seulement dans le son, mais la voix vient aussi dans les images. Yes. Donc la voix ne vient pas seulement de ce que l'on entend, mais la voix vient aussi de ce que l'on voit. Parce que dans ce que l'on voit, on peut aussi entendre ce que Dieu veut dire. Voilà pourquoi le diable veut paralyser tes yeux. Parce que le diable sait qu'au-delà de ce que tu entends, Dieu te parle par ce que tu vois le plus souvent. Et dans ce que tu vois, il y a aussi la parole de Dieu.
Mais en même temps, la convoitise ne vient pas seulement de ce que l'on entend, elle vient de ce que l'on voit. Ça veut dire que la foi et la convoitise viennent du même canal. Come on. La foi et la convoitise viennent du même canal. Les yeux physiques permettent à la foi d'entrer dans l'homme. Lorsque tu vois, lorsque tu observes une, comment dire, je dirais, lorsque tu observes une belle voiture, tu la regardes, tu l'observes. Et à un moment donné, dans ton esprit, tu vas te dire, il me faut cette voiture. Parce que tu l'as regardée, tu l'as observée, tu as regardé les contours, la beauté de la voiture. Et tu t'es dit, cette voiture est tellement belle, il me la faut. Écoutez, écoutez-moi très bien. La seule convoitise que Dieu autorise, c'est la foi. La seule convoitise que Dieu autorise, c'est la foi. Pourquoi est-ce que Dieu prend la peine de vous montrer la vision par les yeux spirituels, au travers des yeux physiques? Parce que lorsque vous voyez une chose, vous croyez en cette chose. Comment? Exact. Lorsque vous voyez une chose, vous croyez en cette chose. Pour, écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez pourquoi l'apôtre Jean s'est retrouvé sur l'île de Patmos avec des yeux crevés? Pourquoi la Bible ne dit-elle pas que la tête de Jean était coupée? Pourquoi la Bible ne dit-elle pas que les bras de Jean étaient coupés? Pourquoi la Bible ne dit-elle pas que les pieds de Jean étaient coupés? C'est parce que le diable savait que l'Apocalypse devait venir par les yeux de Jean. Comment? Le diable savait que la révélation sur la fin des temps, sur le retour de Jésus-Christ de Nazareth, devait venir par les yeux de Jean. Il fallait rendre Jean aveugle. Écoutez-moi, il y a beaucoup de personnes ici. Lorsque le diable veut que vous ne puissiez pas connaître votre vision, il ferme vos yeux. Il va vous emmener à faire des choses qui vont fermer vos yeux, qui vont fermer vos yeux spirituels. Et la plupart du temps, ça passe par vos yeux physiques. Parce que le jour où Ève a regardé le fruit dans le jardin, elle n'a pas regardé le fruit avec les yeux spirituels, elle a regardé le fruit avec les yeux physiques. Au moment où elle a regardé le fruit avec les yeux physiques et qu'elle a en même temps entendu la parole du serpent, la convoitise est rentrée. Et la convoitise étant la représentation de l'obscurité, les yeux spirituels de Ève se sont fermés et les yeux physiques de Ève sont restés ouverts. Ce qui a fait en sorte que Ève n'avait pas la possibilité de discerner ce qu'il y avait derrière le fait qu'elle allait manger le fruit. Elle ne pouvait pas savoir qu'il y avait une malédiction derrière le fait de manger le fruit parce que ses yeux spirituels étaient déjà fermés. Parce que ses yeux physiques avaient déjà consommé le fruit. Faites attention à vos yeux physiques. Faites attention à vos yeux physiques. Les yeux là. Vous voulez avoir de l'impact. Première chose, il vous faut la vision. Mais la vision, elle est révélée à travers des canaux. Et il y a particulièrement deux canaux que Dieu utilise pour parler à Adam. Ce sont les oreilles et ce sont les yeux. Et particulièrement les yeux. Parce que, en fait, lorsque un homme regarde trop quelque chose, il va finir par croire en cette chose. Lorsque Dieu disait à Abraham,
Je ferai de toi le père d'une multitude. Ta descendance sera comme les étoiles, sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Lorsqu'il parlait à Abraham, dans ce que Dieu disait, Abraham était en train de voir ce que Dieu voulait faire. Et donc la foi est entrée dans le cœur d'Abraham par rapport à ce que Dieu lui avait dit et aussi par rapport à ce que Dieu, à ce que Abraham avait vu au travers de ce que Dieu lui avait dit. Comment? Yes. J'aimerais vous dire quelque chose. Faites attention à vos yeux physiques. Parce que, écoutez, vos yeux physiques sont une porte et vos yeux spirituels sont une lumière. Je répète. Comment? Vos yeux physiques sont une porte, mais vos yeux spirituels sont une lumière. Lorsque vos yeux physiques sont fermés, il est impossible que la lumière des yeux spirituels puisse vous donner du discernement, vous emmener à avoir la foi par rapport à quelque chose. Une fois que vos yeux physiques ont été corrompus, les portes que sont vos yeux physiques se ferment. Et si ces portes se ferment, à la foi ne peut plus jamais rentrer dans votre esprit. La foi ne peut plus jamais pénétrer votre esprit. Dieu ne peut plus jamais vous parler au travers d'une vision. Dieu peut envoyer une vision, mais vous ne serez plus capable d'interpréter la vision. Vous ne serez plus capable de comprendre la vision parce que la porte par laquelle la vision est censée passer, elle est déjà atteinte, elle est déjà fermée. Faites attention à vos yeux physiques. Faites attention à vos yeux physiques. Pour avoir de l'impact, la première chose qu'il faut faire, c'est chercher à recevoir la vision. Mais pour recevoir la vision, il faut travailler les canaux par lesquels Dieu parle. Et les canaux par excellence par lesquels Dieu parle. Les yeux, les oreilles sont les canaux par excellence par lesquels Dieu parle. Lorsque vos oreilles et vos yeux sont atteints, vous ne pouvez pas recevoir la vision. Mais en même temps, lorsque le diable veut vous écarter de la vision ou de la volonté de Dieu pour votre vie, il ferme vos yeux, il ferme vos oreilles. Voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes avec, excusez-moi, avec les films pornographiques, ont des problèmes à regarder des sœurs dans la rue qui sont un peu mal habillées, à regarder des films qui ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que le diable sait que les yeux physiques sont une porte pour la révélation de la vision. Faites attention à vos yeux. Vous voulez avoir de l'impact. Vous devez savoir une chose. L'impact global n'est pas défini par le fait que vous devez influencer dans tous les domaines. L'impact global n'est pas défini par le fait que vous devez travailler dans tous les domaines. L'impact global, c'est l'association de tous les fils de Dieu qui sont dans la place ou sur la place que Dieu a prévue pour eux. C'est ça la vision, c'est ça l'impact global. L'impact global vient lorsque chaque fils de Dieu est établi sur le poste que Dieu a prévu pour lui. C'est là que l'impact global vient. Comment? L'impact global, c'est l'association de chaque fils de Dieu qui se tient à son poste. Voilà pourquoi la Bible dit « Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Qu'est-ce que Paul voulait dire? En fait, Paul voulait dire que le monde attend avec un ardent désir la révélation de Jésus-Christ dans un fils de Dieu que Christ n'a pas pu manifester au temps où il était. Yes. Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ était en son temps, il n'a pas pu manifester
l'homme qui devait faire 100 milliards en un jour, il y a une personne qui va le manifester en ce temps. Qu'est-ce que ça veut dire, la révélation des fils de Dieu? En fait, la révélation des fils de Dieu, ça veut tout simplement dire la révélation de Christ à travers les fils de Dieu. Ça veut dire, en fait, que lorsque Jésus-Christ disait dans le livre de Luc 4 que l'Esprit de Dieu m'a oint pour faire ceci, cela, la continuité de la vision de Jésus-Christ de Nazareth se trouve dans chacun des fils de Dieu et des filles de Dieu. Tout ce que Jésus-Christ n'a pas pu faire en son temps, cette dimension cachée se trouve dans chaque fils de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il y a la vision de Christ qui ne s'est pas terminée, qui doit se manifester à travers toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que en fait, lorsque Dieu doit manifester la vision à travers toi, ce n'est pas toi qui vas manifester la vision, mais c'est Christ qui va s'incarner en toi pour manifester la vision qu'il n'avait pas pu manifester quand il était là. Amen. Première chose que tu dois faire, nettoie le canal. Fais attention à ce que tu regardes avec tes yeux physiques. Fais attention. Fais attention à ce que tu regardes avec tes yeux physiques. Parce que la première chose que le diable va vouloir faire, c'est de détruire les portes. C'est de fermer les portes. Parce que s'il réussit à fermer les portes, les yeux de l'esprit ne pourront pas bien voir, bien percevoir la pensée de Dieu. Écoutez. Avance, apôtre. Yes. Un homme qui n'a pas Dieu, écoutez-moi bien. Un homme qui n'a pas Dieu ne peut pas voir Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Un homme qui n'a pas Dieu. Un homme qui n'a pas Dieu ne peut pas voir Dieu. Ça veut dire qu'un homme dont les yeux sont percés, un homme dont les yeux sont fermés, ne peut pas connaître ce que Dieu a prévu pour lui. Parce que de toute façon, même si un homme vient te parler, la particularité avec l'homme, c'est que l'homme ne croit que ce qu'il a vu. L'homme ne croit qu'avec les preuves. Donc même si un prophète vient te dire, tu es prophète, tu es apôtre, tu es pasteur, si Dieu ne t'a rien dit, tu auras des doutes et tu ne croiras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu. Tu n'as pas entendu. La vision vient par des canaux. Et les canaux que Dieu utilise, ce sont les oreilles et les yeux. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dans le temps actuel, même si tes yeux physiques ne fonctionnent pas, tu as un guide. Et le guide, il s'appelle The Holy Ghost. The Holy Spirit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Même si tu n'as plus d'yeux physiques, même si tu n'as plus des yeux physiques, le Saint-Esprit est les yeux de l'homme. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'a pas besoin de tes yeux pour te révéler quelque chose. Le Saint-Esprit a besoin de ton cœur. Comment? Parce que même si le Saint-Esprit ne peut pas passer par tes oreilles et par tes yeux, il peut passer par ton cœur. Yes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit de ne pas marcher par la chair, mais de marcher par l'Esprit. Parce que l'apôtre Paul sait que si tu marches par la chair, il est possible que le diable puisse affecter cette chair. Il est possible. Mais il est impossible que le diable puisse affecter l'esprit qui habite en toi. Ça veut dire que même si ta chair t'empêche de réaliser la vision, le Saint-Esprit qui est le guide pourra toujours t'emmener
à réaliser la vision. Maintenant, ce que je disais dès le départ, c'est que la révélation de la vision est gratuite, mais la réalisation de la vision est payante. Ça, c'est le deuxième, c'est la deuxième étape pour avoir de l'impact. Un, vous devez recevoir la vision. Pour recevoir la vision, vous purifiez les canaux par lesquels Dieu vous donne la vision. La deuxième chose, c'est que lorsque vous avez reçu la vision, il faut maintenant que la vision puisse se réaliser. Mais laissez-moi vous dire une chose. La vision ne se réalise pas comme ça. Le problème de cette génération, c'est parce qu'elle fuit les sacrifices. Ouais. Or, aucune vision ne se manifeste sans sacrifice. Entre le désert et la manifestation de l'once, entre le baptême, d'accord, et le revêtement, il y a la tentation. Je disais, entre le baptême de Jésus et le revêtement de la puissance de Jésus, il y a la tentation. Entre le revêtement de puissance de Jésus et le trône, il y a la croix. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu doit réaliser sa vision à travers vous, il peut payer un prix. Et c'est là où Adam a échoué. Adam a échoué au niveau du prix à payer. Dieu a dit à Adam, ne mange pas du fruit. C'était là son épreuve. C'était là l'épreuve d'Adam. L'épreuve d'Adam, c'était de ne pas manger ce fruit-là. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi Dieu a mis cet arbre-là? Dieu ne va jamais, au grand jamais, d'accord, aller au-delà du libre arbitre. Lorsque Dieu a donné le libre arbitre, ça veut dire que Dieu sort, en fait, il laisse l'homme face à ses choix. Ça veut dire que Dieu annexe le futur. Dieu, en fait, ferme ses yeux par rapport au futur. Et il se dit, je vais faire confiance à l'homme. Je mets cette épreuve devant l'homme et il faut que l'homme soit capable de me démontrer que je peux lui faire confiance par rapport à la vision que je lui ai donnée. Mais Adam n'a pas pu accomplir parce qu'il avait échoué par rapport à l'épreuve que Dieu lui avait donnée. My God. Quelle est l'épreuve que Dieu t'a donnée? Quelle est cette situation que Dieu a mis devant toi et que tu as refusé, alors que c'est cette situation qui devait t'emmener dans la réalisation de la promesse de Dieu, de la volonté de Dieu. La révélation de la vision, elle est gratuite, et la réalisation de la vision est payante. Écoutez-moi très bien. Il n'y a rien, il n'y a aucune vision qui peut se manifester à travers vous. Il n'y a aucune vision que Dieu peut manifester à travers vous sans vous avoir éprouvé. Aucune. Aucune. Ça ne va jamais exister. Jamais. Peu importe le domaine, ça ne va jamais exister. Quand Dieu vous appelle, Dieu a une vision pour vous. Il vous la révèle gratuitement. La vision est là. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut donner Isaac. Il faut donner Isaac. Si tu ne peux pas donner Isaac, tire un trait sur la vision. Est-ce que je peux encore dire quelque chose? Si je peux dire quelque chose, dis apôtre, avance et je vais avancer. Avance, apôtre. Je vais te dire quelque chose. Beaucoup d'entre vous se plaignent que la vision de Dieu ne se manifeste pas dans leur vie. Laissez-moi vous dire une chose. La vision que Dieu avait pour Abraham ne s'est pas manifestée lorsqu'Abraham était en vie. La vision que Dieu avait pour Abraham ne s'est pas manifestée pour Abraham lorsqu'il était en vie. La vision
que Dieu avait pour Abraham va se manifester le jour où Christ va mourir à la croix de Golgotha, va ressusciter. Et que l'Église va naître. C'est ce jour-là que la vision d'Abraham va naître aussi et va se concrétiser. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu va dire aux apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et ce sont toutes ces nations-là qui viendront à Christ, qui seront plus nombreuses que les étoiles du ciel que Dieu avait promis à Abraham. La vision d'Abraham ne s'est pas manifestée lorsqu'Abraham était vivant. Abraham était déjà mort, la vision s'est manifestée. Ça veut dire que lorsque la vision que Dieu a prévue pour vous, d'accord, doit se manifester, elle ne va pas forcément se manifester lorsque vous êtes en vie. Et vous ne devez pas être fâché contre Dieu pour ça. Comment? Vous ne devez pas être fâché contre Dieu pour ça. Parce qu'il y a des choix que vous faites aujourd'hui qui parlent pour vos générations après. Et si Abraham a offert Isaac, Dieu n'aurait pas offert Christ. My God. Si Abraham n'avait pas offert Isaac, Dieu n'aurait pas offert Christ. Jésus s'est senti obligé d'aller à la croix parce que des centaines d'années avant, un homme avait accepté de donner son fils. Comment? Pour que la vision se réalise, pour que la vision d'Abraham se réalise, Jésus est obligé de mourir parce que Abraham avait accepté de donner Isaac. Ça veut dire que si aujourd'hui vous n'acceptez pas de payer le prix, il y a un de vos descendants qui va se retrouver devant la même situation et qui ne le fera pas parce que vous ne l'avez pas fait. Avance. Donc l'impact que vous pouvez produire dépend du sacrifice que vous faites aujourd'hui. Même si vous n'en bénéficiez pas, vos descendants peuvent en bénéficier. Parce que si vous payez le prix aujourd'hui, il est possible que la réalisation de la vision de Dieu pour vous se concrétise par le choix d'un de vos descendants. My God. Parce que Jésus-Christ est sorti d'Abraham. My God. Vous ne voulez pas payer le prix. Le problème de cette génération, elle ne veut pas payer le prix. Elle ne veut pas payer le prix. Seigneur, tu m'as promis que je serai riche. Il y a des gens qui sont morts là, pauvres, mais leurs enfants sont riches aujourd'hui. Ils n'ont jamais vu le fruit de cette richesse. Mais ils ont payé le prix. Et quand ils ont payé le prix, aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui sont en train de concrétiser la vision que Dieu avait pour lui. Parce que, écoutez, dans la dimension de la vision, il y a la vision qui se manifeste dans le présent et dans le futur. La vision de Dieu pour vous ne va pas toujours se manifester dans le présent. La fonction va toujours être présente parce que la fonction est une partie de la vision. Vous allez toujours, si vous acceptez bien sûr la fonction, vous allez toujours manifester Dieu à travers la fonction, mais vous n'allez jamais accomplir totalement la vision si Dieu a prévu que la vision se manifeste dans le futur. Comment? Vous devez accepter de payer un prix. Accepter de payer un prix. Vous voulez avoir de l'impact. Dieu a prévu que vous soyez un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Dieu a prévu que vous soyez un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, un homme de ministère, un homme de miracle et un homme de puissance. Mais est-ce que je peux vous dire quelque chose? Avancez. Est-ce que je peux vous dire encore quelque chose? David voulait construire le temple de Dieu, mais Dieu dit à David, non, toi tu ne construis pas le temple, c'est Salomon qui va le faire. Est-ce que la vision de Dieu, c'était que David construit le temple? Si le temple doit être construit, c'est la vision que Dieu a prévue, mais cette vision ne va pas se manifester en David, elle doit se manifester en Salomon. Parce que lorsque Dieu vous donne la vision, parfois la vision ne va pas se manifester à travers vous, mais à travers quelqu'un qui va sortir de vous. Acceptez que certains pans de la vision ne se manifestent pas
parce que certains pans de votre vision ne seront pas ne sera pas manifeste, ou du moins ne seront pas manifestes par vous, mais par des personnes qui sortiront de vous. On dit aujourd'hui qu'Abraham est le père de la foi. Aujourd'hui, on dit que nous sommes les fils d'Abraham par la foi. Mais si on le dit aujourd'hui, c'est parce que Abraham a payé un prix. Si nous sommes aujourd'hui de la lignée des fils de Dieu, c'est parce que Jésus-Christ de Nazareth a accepté de porter une croix. Il est assis sur le trône et nous sommes aujourd'hui des fils de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je vois qu'il y a trop de silence là. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là. On est là. Je ne vais pas trop m'étendre. Aujourd'hui, je voulais particulièrement parler de ces yeux-là. J'aimerais réitérer mes propos. Vous n'avez peut-être pas un fonds de commerce. Le diable attaque vos finances. Il empêche à ce que vous puissiez avoir des finances. Le diable attaque peut-être votre mariage. Il attaque peut-être l'un des canaux par lequel Dieu doit vous transmettre la vision par rapport à votre mariage. Mais ce que le diable ne sait pas, c'est que le Saint-Esprit n'est pas un esprit désordonné. Le diable frappe par rapport à l'intuition. Le Saint-Esprit frappe par rapport à la révélation. Le diable frappe par rapport à l'intuition. Le Saint-Esprit frappe par rapport à la révélation. Ça veut dire que lorsque le diable vous frappe, c'est sur la base d'une intuition. Il se dit, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce qu'il a fait, je pense que Dieu va le bénir par ici. Mais le Saint-Esprit, il ne le fait pas comme ça. Le Saint-Esprit sait exactement là où il doit vous bénir, pour que vous soyez bénis. Ça veut dire que le diable peut frapper un domaine de vos vies, mais il a frappé dans le vide parce que le Saint-Esprit ne vous bénira pas là-bas. Ça veut dire que le diable peut frapper une personne qui était censée vous bénir sans savoir que la bénédiction ne devait pas venir de cette personne, mais la bénédiction devait peut-être venir d'une entreprise. La bénédiction devait peut-être venir de l'étranger, mais le diable ne le sait pas. Parce qu'il a fonctionné sous le principe de l'intuition. Regarde. Alors, si vous voulez avoir de l'impact, si vous voulez connaître votre vision, découvrir votre vision, travailler les canaux, mais en plus de cela, travailler avec le Saint-Esprit. Travailler avec le Saint-Esprit. Vous devez savoir une chose, et c'est là que je vais boucler, et ce sera certainement le sujet de mes prochaines interventions. Vous savez, le prophétique est ce qui rend l'Église vivante. Si on enlève le prophétique de l'Église, l'Église est morte. Si on enlève le prophétique de l'Église, on enlève le Saint-Esprit de l'Église. Parce que l'Église, en fait, vit à cause du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le représentant légal du prophétique. Et le prophétique, par définition, c'est tout simplement tous les canaux par lesquels Dieu passe pour parler à l'homme. Mais dans le prophétique, hormis que le Saint-Esprit soit le maître, il y a ce qu'on appelle les prophètes. Et les prophètes sont à la fois les oreilles, les yeux, le nez, la bouche de l'Église. Donc, si vous enlevez le prophétique de l'Église, vous enlevez le Saint-Esprit de l'Église, vous tuez l'Église. Si on vous enlève le Saint-Esprit, vous ne vivez plus et vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que le sceau de la promesse, c'est le Saint-Esprit. Le moyen par lequel la révélation de la volonté de Dieu vient à vous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est les yeux de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est le repère de l'Église. Alors ne nous embrouillons pas. Ne faisons pas l'amalgame, d'accord, entre la distraction prophétique et l'importance du ministère prophétique, l'importance du monde prophétique.
Je ne vais pas continuer là ce soir, ça va faire l'objet de mon prochain enseignement. Ce que vous devez retenir ce soir, c'est que Dieu a appelé Adam. Et la première chose que Dieu fait, c'est de révéler à Adam sa vie, la vision qu'il a pour lui. Et lorsque Adam reçoit la vision, Dieu lui donne un ordre, ne mange pas de ce fruit. Ça représente le sacrifice, ça représente les prêts. Ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder à l'impact sans passer par ce sacrifice. Si maintenant, d'accéder à ce sacrifice, du moins vous arrivez à payer le prix, alors vous aurez libre cours à manifester cet impact que Dieu a prévu pour vous. Mais pourquoi est-ce que je tenais à parler du guide? C'est tout simplement parce que lorsque Dieu vous donne la vision, pour que la vision se réalise, il y a des étapes. Et à chaque étape, il y a une révélation que Dieu donne. Vous allez remarquer que Dieu ne s'est pas révélé à Abraham une seule fois. Il s'est révélé à Abraham plusieurs fois. Parce que dans la manifestation de la vision d'Abraham, d'accord, il y avait plusieurs recommandations, hormis le sacrifice d'Isaac. Plusieurs recommandations. Pour que vous puissiez avoir de l'impact, il faut que vous soyez connecté au Saint-Esprit qui sera capable de vous donner les recommandations qu'il faut pour que vous puissiez avoir de l'impact par rapport à votre vision. Et là, je suis dans le domaine de la vision personnelle. Je n'ai pas abordé l'impact global, mais je vais aborder l'impact global peut-être demain ou après-demain. Et là, je vais vraiment rentrer en profondeur pour parler de l'Église, pour parler des ministères post-ascension, pour parler de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. Je parlerai de la vision globale, de l'impact global. Je parlerai de ce que Dieu a prévu dès la fondation du monde, que l'Église doit manifester. Et quel est le plan de Dieu, pas seulement pour l'Église, mais pour la création tout entière. Parce que le rôle des apôtres, c'est d'éclairer l'Église, d'accord, sur le plan du Père, par rapport, pas seulement à l'Église, mais par rapport à la création tout entière. J'ai été heureux d'être avec vous ce soir. J'aimerais que tu puisses inviter massivement demain, parce que je crois que demain ce sera encore particulier. Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu demeure avec vous. Et les anges de Dieu demeurent avec vous. Que la compréhension, the understanding of the word of God be your share. May God bless you. In the mighty name of Jesus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Wow. Amen. Thank you so much, Apostle. I'm so happy for this word. My God, est-ce que quelqu'un peut tout simplement dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire just, can you write just, can you, est-ce que tu peux écrire ça? Au-delà de l'obstacle, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Cal.
la de bras, à terre de l'idicabado, photo parada, château lia, la gazon, parada, la gazon, château, fanita, chabandere, photo de la sia, chabandere, photo de la sia, canon de la gazon, voilà qui est en chemin. À l'enfer, il manque qui la rend la voix.